Bienvenue à 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. Nous voulons parler aujourd'hui du sens de la responsabilité. Nous devons comprendre que le mariage est pour les personnes qui ont décidé d'être matures. Être mature, c'est comprendre qu'il ne s'agit plus de moi, mais de nous. Vous n'êtes plus seul et vous devez apprendre le sens de la responsabilité. Nous voulons aujourd'hui nous adresser particulièrement aux hommes. Votre rôle est d'être le chef du foyer. Et le mot chef ici vient du grec képhalé qui signifie la tête. Toutefois, être le chef ne signifie pas que l'homme soit supérieur à la femme. L'homme et la femme sont égaux. Ce sont leurs rôles qui diffèrent. Ce sont leurs responsabilités qui diffèrent. L'homme n'est pas le tyran de son foyer, mais le premier responsable de son foyer. L'homme doit jouer le rôle de capitaine d'équipe et ne plus se comporter comme un célibataire. C'est ce qui s'appelle faire preuve de responsabilité. Un homme doit être responsable. Et comme quelqu'un l'a si bien illustré, responsable en anglais, c'est responsible, c'est-à-dire être capable d'apporter des réponses et des solutions. Cependant, parfois, vous n'avez pas toutes les cartes en main. C'est pourquoi Dieu a mis à vos côtés votre femme comme une aide précieuse. Sachez l'honorer et la valoriser, elle vous sera d'un grand secours. Messieurs, êtes-vous prêts à jouer votre rôle de premier responsable? Votre action pour aujourd'hui, prenez la décision que vous ne serez pas démissionnaire dans votre couple. Adam a démissionné de son rôle de protecteur et de premier responsable. Résultat, le serpent a séduit sa femme et il s'est laissé tenter. Pour vous, mesdames, encouragez votre mari dans ce rôle de chef. En priant pour lui et dans tous vos choix et décisions, demandez l'avis et l'accord de votre conjoint. Cela va le valoriser et lui donner le sens de la responsabilité. Et le verset que vous devez retenir pour aujourd'hui, 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Que le Seigneur vous bénisse et qu'il rende votre mariage inébranlable.